S'il y a des catholiques dans l'assistance, j'espère que vous n'avez pas perdu votre sens de l'humour, car je vais vous raconter une petite histoire. On raconte qu'un jour, le pape s'est rendu là-haut, au ciel, avec sa trousse de clés en main. Le pape arrivé en roi, sur la porte clélie, il commence à baisser les clés pour voir qui clé qu'a ouvert porte paradis. Tout essayé, tu as essayé, on n'y est pas marché. Pendant que je me suis dit, mais ça va passer parce que je ne sais pas là, on a toutes clés nous-mêmes, même pas qu'à ouvrir porte là, aux anges, bon Dieu, paraît sous lui. Je me suis dit, mais ça va passer, soit fait là. Je me suis dit, moi-même, moi, c'est pas là, m'a essayé ouvrir porte paradis, tout essayé, essayé, on n'y est pas marché. C'est alors que les anges, bon Dieu, ont dit, monsieur, c'est vrai. Nous avons prié tout ça, mais il y a près de 500 ans de cela, bon, certains matériaux qui viennent, nous sommes rentrés là et changé toute cadenas. Vous savez, en réalité, mes amis, ce n'est ni le pape, ni Martin Luther qui détient la clé du paradis, la clé de la vie, la clé de la mort. La seule personne qui détient cette clé, il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ.